et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Monseigneur de Chiesa, Gaudete. L'Église se réjouit, car il vient, le Seigneur vient. Avec toute l'Église, nous nous préparons dans la joie à célébrer le mystère du Verbe fait chair, le mystère de sa nativité. Gaudete. L'Église se réjouit, car vous êtes là. Monseigneur, usez hier thuis, usez hier in zekere zin terug thuis. Gisteren hebt u bezit genomen van uw bisschopszetel in de metropolitaanse Sint-Romboudskathedraal in Mechelen. Vandaag verwelkomen wij u met vreugde in de moederkerk van de hoofdstad van ons land. Je salue la présence parmi nous de son Excellence Monseigneur Berloc, au nonce apostolique, représentant du Saint-Père dans notre pays. Votre présence, Excellence, est vraiment un signe fort de l'affection que le Pape porte à notre Église belge et de sa prière pour nous tous. Je salue aussi la présence de Monseigneur Léonard, notre cher archevêque désormais émérite. Gaudete, l'Église se réjouit, car à la demande du pape François, nous entrons aujourd'hui dans une année sainte, l'année jubilaire de la miséricorde du Père. Pour nous, le Christ est la porte, en quelque sorte le passage obligé, l'ouverture entre ciel et terre, l'unique chemin qui conduit au salut, au vert pâturage de la joie sans fin. Vorans is Christus de deur, een deur die thank you.
Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Chers frères et sœurs, chers amis, dans les lectures de ce troisième dimanche de l'Avent, il y a d'un côté la voix du prophète Jean-Baptiste qui appelle à la conversion. Et nous venons de l'entendre, il annonce le jugement de celui qui brûlera la paille dans un feu d'étiu qui ne s'éteint pas. Et d'autre part, les deux autres lectures que nous venons d'entendre sont une exhortation à la joie. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Sion, lit-on chez Sophonie. Et Paul le répète, laissez-moi vous le dire, soyez toujours dans la joie. À première vue, je pense qu'il y a un contraste entre
Cet appel, quelque peu dur, de Jean à la conversion, et de l'autre côté, cette invitation à la joie. Et pourtant, elles ne se contredisent pas, la conversion et la joie. Il y a d'abord la conversion. C'est pas moi, c'est lui qui... Quand ceux et celles qui viennent d'être baptisés demandent à Jean, que devons-nous faire en signe de notre conversion? La réponse de Jean est étonnante. Il ne demande pas quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire. Il dit simplement, partage ce que tu as. Si tu as plus de vêtements qu'il ne te faut, alors donne à ceux qui n'en ont pas assez. Et cela vaut aussi pour la nourriture. Partage ton superflu. Et de même pour les collecteurs d'impôts. Il ne leur dit pas, il faut abandonner ce métier. Mais il dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Gardez-vous donc de la corruption. Et aux soldats, à eux aussi, ils ne demandent pas de déserter. Ils demandent simplement ce que tu fais, fais-le correctement, sans abuser de ta position et sans recours à la violence arbitraire. N'oubliez jamais que vous êtes des êtres humains comme les autres. Frères et sœurs, il nous est demandé beaucoup par Jean. C'est vrai. Mais d'autre part, l'Évangile ne nous demande jamais des choses extraordinaires ou extravagantes ou sensationnelles. Celui qui est baptisé, le chrétien, il ne se distancie pas des autres. Il ne se sent pas supérieur aux autres. Nous sommes toujours, par l'Évangile de notre Seigneur, renvoyés à notre responsabilité et surtout à la solidarité que nous partageons avec tous les hommes, de quelque religion ou conviction qu'ils soient. Mais alors, pourquoi se faire baptiser, voulait-on se demander? Pourquoi être chrétien? Et c'est la liturgie de ce dimanche, c'est le dimanche, comme l'a dit au début Mgr Poquerolles, c'est le dimanche Gaudete, depuis longtemps. C'est le troisième dimanche de l'Avent qui, dans toute l'Église, est célébré comme un dimanche de joie. C'est la liturgie de ce dimanche qui nous donne la réponse pourquoi être chrétien. Et la réponse, elle aussi, est étonnante, car c'est la joie qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas par nécessité ou parce que nous sommes obligés que nous sommes des chrétiens. C'est en toute liberté et c'est par amour que je suis croyant et que je suis chrétien, disciple du Christ. Nous sommes appelés par lui. Nous sommes connus et aimés de Dieu. C'est là le cœur de notre foi. Celui qui est miséricordieux, plein d'amour. D'où cette joie, chers frères et sœurs? Cette joie qui est, comme tout amour, un appel à la fidélité et à la conversion, bien sûr. Dat vrienden is het hart van het christelijk geloof. De zekerheid dat wij broze, eindige mensen, ook in onze zwakheid, zelfs in onze zonde, dat wij gekend zijn en bemind door God. Ik zeg dat zomaar. Het zijn woorden waarmee wij vertrouwd zijn als christenen. Maar ze zijn nauwelijks voorstelbaar. En het zijn vooral mensen die opnieuw het geloof ontdekken, die er de grote originaliteit van inzien. Hoe zouden wij, als dat waar is, dat wij door God gekend en bemind zijn, hoe zouden wij ons dan niet verblijden? Natuurlijk
Blijven daarmee vragen bestaan en zijn niet alle problemen opgelost? Maar vrienden, wij weten uit ervaring dat het dat is wat ons als mensen zo gelukkig maakt. Wat richting geeft en zin aan ons leven. Dat wij door andere mensen gekend en gewaardeerd en bemind zijn. Dat we niet niemand zijn. Dat we niet mensen zijn die in niemands ogen nog tellen. Ongezien en waar daar niemand naar omkijkt. Wel nu, dat is het goede nieuws. Het evangelie dat Christus ons heeft gebracht. Dat wij niet alleen door zulke mensen, onze vrienden, degenen die ons dierbaar zijn, dat we door hen bemind zijn en gekend, maar door God zelf. Hij die de bron is, de schepper van al wat bestaat. Niet voor niets heeft Paus Franciscus zijn eerste exhortatie deze titel meegegeven. Evangelie Gaudium, de vreugde van het evangelie. En het is ook niet voor niets dat hij vorige vorige dinsdag in de Sint-Pietersbasiliek te Rome bij het begin van het grote jubeljaar de deur geopend heeft. De poort van Gods grote liefde, Gods grote barmhartigheid voor ons en voor deze wereld. Zoals we daar straks bij het begin van deze viering hebben gedaan. Nee, vrienden. God is geen onverschillige God, geen arbitraire macht die alleen maar op zichzelf en zijn eigen glorie is bedacht. Maar wij mensen, wij zijn hem, dat is de waarheid die het evangelie ons brengt, wij zijn hem alles waard. En daarom vraagt hij ons dat ene, dat ook wij niet onverschillig zouden zijn voor elkaar en voor geen enkele mens. Wie jij ook is, van welke overtuiging ook. En vooral niet voor hen die aan de kant staan en niet meetellen. Mensen die arm zijn, ook in onze rijke wereld. Mensen die kwetsbaar zijn. Zoveel ook vandaag, vrienden, u weet het, die op de vlucht zijn. Voor oorlog en voor zo'n zinloos geweld. Dat we eerbied hebben, zouden hebben voor alle leven, hoe klein en hoe kwetsbaar het ook is. Eerbied ook voor religieuze en filosofische overtuiging van elke mens. Eerbied ook in de omgang met de aarde, deze planeet, die we gezamenlijk als ons huis mogen bewonen. We zijn ook verantwoordelijk voor de komende generaties. Het gaat dikwijls er hard aan toe in onze wereld. De competitiviteit is groot en velen kunnen niet aan, wij weten dat vrienden. En dat vraagt het evangelie, dat we zelf niet hard, niet onverschillig zouden worden, niet ongevoelig, niet onbarmhartig, niet genadeloos. Want dat is het wel, het is iets wat Paus Franciscus altijd weer herhaalt, dat is het wat ons het meest bedreigd in deze wereld, vandaag, de globalisering van de onverschilligheid en barmhartigheid, eerbied en liefde wordt dan wel het dringende antwoord, niet alleen binnen de kerk, maar ook voor deze wereld. Oui, mes chers amis, c'est l'indifférence qui constitue aujourd'hui la grande menace de notre monde. Un monde sans pitié et sans respect de l'autre, où on essaie à tout prix de sécuriser ses biens et ses frontières. Et voilà que l'Évangile nous annonce la tendresse de Dieu, la miséricorde et la bonté de Dieu, lui qui n'est pas indifférent. Sa tendresse non seulement pour quelques hommes qui le méritent, mais pour tous les hommes. Et ce ne furent pas de sa part que de belles paroles. Il s'est engagé jusqu'au bout et sans retour. En son Fils, il est devenu un des nôtres, vulnérable et sans défense. Lui, le Dieu éternel. C'est le mystère, l'Évangile que l'Église annonce au monde.
Il est devenu un des nôtres, tel un enfant des hommes, un prodige d'humanité. Et à pareil amour, il n'y a qu'une réponse, aimer à notre tour. Nous estimer, nous respecter les uns les autres, être miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux, et proclamer cette miséricorde de Dieu et appeler à ce respect et à cet amour. C'est là la mission de l'Église qu'elle a reçue du Seigneur. Et voilà aussi l'espace qu'elle recherche dans notre société devenue pluraliste et moderne. Rien de plus, mais aussi rien de moins. C'est dans cette culture sécularisée qu'elle peut et qu'elle doit faire entendre sa voix. D'autant plus qu'un fondamentalisme religieux constitue à l'heure actuelle une si grande menace. Oui, chers frères et sœurs, non pas une Église qui se replie sur elle-même, mais une Église et nous tous et toutes qui partageons les joies et les souffrances de ce monde. Non pas une Église qui plie à côté de ce qui se passe dans le monde et les grands défis devant lesquels nous nous trouvons. Une Église solidaire du sort réservé aux humains, quels qu'ils soient. Vous le savez bien, ce fut aussi le message du Consequente de Leven, van het Evangelie. Het Evangelie van Gods grote barmhartigheid. En met die ene zekerheid dat wij door Hem gekend en bemind zijn. Ook in onze zwakheid en onze zonde. Dat is vandaag onze vreugde en ons vertrouwen. De cette année sainte, laissons monter vers le Seigneur toutes nos prières, lui qui fait toutes choses nouvelles. Kasa, tamang panahon upang tayong lahat ay sama-samang magmalagyo. Ipadampo, Panginoon, ang iyong pagpapala sa lahat ng tumatahak sa kadiliman ng pagkanulo, sa adlang ng pag-aalinlangan at sa kadiliman ng pagdurusa. Manalangin tayo. Faz crescer em nós, Senhor, a solidariedade, que ela brote dos nossos corações e nos mobilize. Voici que s'ouvre dans notre cathédrale la porte sainte, la porte de la miséricorde. En cette année de grâce, aide-nous, Seigneur, à faire tomber les murs pour faire place à la bienveillance, au dialogue, au geste de pardon. Ô Seigneur, ô
Au seuil de cette année sainte qui débute à la fois dans la joie et dans l'émotion, répands, Seigneur, ton esprit sur le monde, sur l'Église et sur chacun et chacune de nous. Exauce nos prières, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. In alle Kerken de Brussel-Kroos. Se monter vers toi, l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Passend en goed dat wij u dankzeggen, God, menslievend en barmhartig als gij zijt. Gij laat nooit af ons op te roepen tot een leven vol geluk. Gij zijt een God van tederheid en mededogen. Altijd staat gij gereed om te vergeven. En al wie gezondigd heeft, nodigt gij telkens weer uit zich te verlaten op uw barmhartigheid alleen. Hoe dikwijls werd uw verbond door ons verbroken. Maar berusting kent gij niet. Een nieuw verbond hebt gij tot stand gebracht door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Zo dicht hebt gij de mensen naar u toegehaald, dat niets ons nog van u kan scheiden. In deze tijd van verzoening en genade geeft gij uw volk gelegenheid om in Christus te herademen en zich tot u te bekeren. Om meer dan ooit uw Heilige Geest te volgen en zo in dienst te staan van heel de mensheid. Vol bewondering.
et je vous donne ma main. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Brothers and sisters, whence Elgar de Frede, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.